Comment réagiriez-vous si devant vous, vous vous retrouviez devant la pire caissière? Alors là, on a un petit problème de fuite. Qu'est-ce que vous voulez dire de fuite? Je prends une fuite. Ouais, mais parce que je suis au téléphone. Ok. Ouais. Tu me l'enlèves de la liste. C'est ce que nous allons tester aujourd'hui en caméra cachée, en piégeant les clients d'un supermarché. C'est l'équipe du métro Ferland à Québec qui nous ont ouvert leurs portes afin de nous permettre de vivre cette expérience. Il y a Marie-Pierre directement à l'intérieur qui nous attend pour nous donner une petite formation de caissière. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, c'est mon plus grand rêve. Donc c'est parti, suivez-moi. Donc si tu sais pas c'est quoi une banane, ben on te montre la photo de la banane. Okay. Donc c'est possible que tu connaisses pas ça. C'est un AV. Un rabiol. Un rabiol. Ouais. Donc si c'est facile, si tu savais pas que c'est une courge, la courge te le dit. Trop bien. Ça c'est drôle. Si tu sais pas que c'est une courge, la courge te le dit, trop bien. Parfait. 10$. C'est une grosse courge. Quand ça se calme, ça va vite, c'est bien. Bon, là ça fait un bruit étrange. Ouais. Donc ici ça te demande d'entrer la date de naissance. Donc c'est à ce moment-là que tu peux regarder si j'ai 25 ans selon toi. Donc est-ce que tu crois que j'ai 25 ans? Non. Non. À savoir qu'en Amérique du Nord, il est possible de pouvoir acheter certaines boissons alcoolisées directement en supermarché. Et ça va être au rôle de la caissière de pouvoir demander la pièce d'identité pour vérifier que la personne soit bien majeure. Avec pièce d'identité. Parfait, mais là je l'ai pas. Okay. Donc c'est impossible que tu me demandes de l'alcool. Ouais, c'est ça. Les amis, j'ai mon habit juste ici. Je vais aller me changer puis on va être prêt directement à commencer. C'est parti. Il y a 3 caméras qui sont dissimulées au niveau de la caisse et personne n'est au courant du piège. Marie-Pierre sera là pour m'assister si jamais il arrive un problème avec un paiement ou un problème avec un client. Alors est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ouais. J'attends que vous posez les trucs ou je scanne direct? Je scanne direct. Et un petit poulet, il est bien chaud. Vous avez mangé ça à midi? Oui. Ça, c'était le vôtre, hein? Pardon? C'était le vôtre? Ah ouais, c'est IGA, la compétition. Hop. Et alors, vous avez plus de 25 ans, hein? Parce que là, il me demande la date de naissance, mais... 24-08-50. Allô, ça va bien? Oui, ça c'est du jus de pomme. Ouais. C'est bon? Ah, je t'ai venu chercher autre chose, mais il n'y a pas ça ici. C'est quoi que tu cherchais? La pâte à briques. De la quoi? La pâte à briques. C'est quoi de la pâte à briques? Comme la pâte philo. C'est quoi la pâte philo? C'est pour faire style les samoussas, ce genre de choses. C'est bon? Mais c'est pas pour faire ça, moi c'est parce que je suis pâtissier dans un restaurant et j'en ai besoin pour T'es pâtissier? Ouais. Puis t'as besoin du jus de pomme dans le restaurant? Non, ça c'est pour moi. Pour toi? C'est pour moi. Non, la pâte à briques, c'est pour faire un nouveau dessert que j'essaye en ce moment. Ah, t'es pâtissier de luxe! Si tu veux. Mais est-ce que je peux me prendre en photo avec toi? Parce que, genre, un chef pâtissier de luxe, moi. Je suis pas chef pâtissier. Non, hein, mais. Tu sais, attends, c'est la première fois que je rencontre une célébrité là. Ouais? Ok. Je suis pas une célébrité, hein. Ah yes, putain, je vais poster ça, laisse tomber. Ça va être la folie. Non mais sérieux, moi je suis contente qu'on se rencontre. C'est cool. Ben oui. Ta pièce est bien. Bonjour. Oui. Ouais. Ça c'est avec vous? Non. Vous êtes ensemble? Non. Vous auriez bien fité ensemble. C'est les deux opposés, hein, les petits gâteaux puis les petits fruits. Oui. Vous êtes ensemble? Non. Non, toujours pas. Bonjour. Je peux avoir des 5$, c'est bien. Ah là, alors là, oui. La cliente juste ici est venue me demander de la monnaie sur son billet de 20$, chose très commune au Québec. Mais pourquoi faire? Pour avoir du change. Pour avoir du change. Ouais. Puis vous allez prendre le bus avec ça? Ben, je suis pas obligée de vous dire que je fais avec. Vous n'êtes pas obligée de me dire, non, ce que vous faites avec, non. Je veux simplement avoir tes 5$ si tu peux me donner. Ouais, juste 5$. Ouais. Parce que je suis pas sûre que ce soit possible. Oui, bonjour, il y a une madame là qui veut échanger son billet, mais on n'est pas trop la banque, quoi. Ouais, enfin je veux dire on est vraiment pas la banque. Alors là on a un petit problème de fuite. De fuite pour les mouchoirs. Qu'est-ce que vous voulez dire de fuite? Ben ça fuit parce que vous achetez beaucoup de mouchoirs. Ah! Je comprenais pas, je pensais que j'avais pas le droit. On a toujours besoin. Puis mon mari fait de l'allergie en ce moment. Ah, c'est le pollen. C'est le pollen, exactement. Oh. Mais donc vous le soignez? Non, il soigne tout seul. Ah ouais, vous êtes à Montréal toujours... en ce moment, fait que j'ai pas le temps de m'occuper de lui. Votre mari est à Montréal? Ouais, il est en voyage. Fait que... Mais qu'est-ce qui. C'est louche, non? Ah, c'est louche, non? Pour le travail. Ok. Ah ouais?
Non, mais en plus, il y a la reine Elisabeth sur le billet, ça a l'air bien. Mais... Une connaisse. Hein. C'est vous, la reine Elisabeth? C'est une connaisse ici, je vois rien au caisse, c'est compliqué. Génial, bon, ouais, super, super, ok, merci. Ouais, bisous, bisous. Ok, super, génial, merci, bisous. Salut, salut, bisous, bisous. Ok, super, génial, merci, bisous. Mais parce que ce que je comprends pas, c'est que vous achetez les mouchoirs, mais il est pas là. Ouais, mais il revient à jeudi. Ah, donc, ok, c'est le cadeau de bienvenue. Merci. Ouais, bisous, bisous. Ok, super, génial, merci, bisous. Salut. Donc là, je vous compte. Il y avait des madames qui connaissaient, mais je vais rester pour qu'elles prennent. Ouais, ouais. 2, 3, 4, ça fait bien 20? Ouais, ça va bien. Merci. J'ai un petit truc gênant à vous dire, mais je vais vous le dire quand même. D'accord, allez-y. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Est-ce que vous avez été aux toilettes il n'y a pas très longtemps? Non, pourquoi? Parce que vous avez la braguette ouverte. Oh, désolé. Ben, c'est moi qui suis désolée pour vous, mais j'ai rien vu, je vous promets. Bonjour madame. Bonjour. Oula, il y a du kiwi? Vous faites de la confiture? Non, je nourris les enfants à la garderie. Oh! Bah bravo. Pour ce prank, je vais tenter de battre un record du monde, scanner les produits le plus rapidement possible, et pour ça, j'ai besoin d'un chronomètre humain. Donc en fait, il va falloir que vous comptiez, puis moi, il va falloir que j'y aille le plus rapidement possible. Je compte quoi? Que vous comptez les secondes, parce que là, je suis en train de faire un record du monde. Vous allez me dire top, puis vous comptez 1, 2, 3, vous me dites 3, 2, 1, partez. Parfait. Non, 3, non, 2, 3. 3, 2, 1, parfait. Faut compter à votre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait longtemps que vous êtes au Québec? Ouais, ça fait 9 ans quand même. Ah oui? Ouais, vous entendez, j'ai un accent. Oh. J'ai un accent quoi? Français. Français, ouais, 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 ouais. Mais tu sais, je peux avoir l'accent québécois aussi, là. Ouais. Je peux l'avoir, là, tu sais. Je le fais bien? Ouais. Donc je peux, celui-là, je peux pas vous le vendre, j'ai pas le code. J'ai pas le code. Non. J'ai pas le code, mais celui-là, je le mets de côté, je vous reviendrai. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ouh, c'est fini. 21? Wouhou! Bravo. Puis... Ça, c'est pas à moi. Ah, ben là, c'est à vous. Ah non, c'est pas à moi. Bah moi, c'était sur le panier, c'est ah, à c'est vous. C'est pas à moi. Bah je sais pas qui c'est la brosse, moi, je sais pas. Ah, mais moi, de toute manière, une fois que c'est scanné, je peux pas le reprendre. Donc, je trouverai là en cadeau, je sais pas. Ah non. Fait que ça va vous faire 52 et 39. Non, non. C'est pas à moi, je vous en aide. Mais c'est pas à moi non plus, c'est ça le truc. C'est pas... Là, moi, je sais pas quoi faire avec ça. Parce que là, le monsieur, il me dit que la brosse, c'est pas à lui, mais moi, je l'ai jamais mise là, puis c'est pas à moi non plus. Donc, genre, là, à qui est la brosse, quoi? Ben là, ça, c'est pas à vous. Ben là, vous pouvez même dire que c'est pas à vous, quand même. C'est, ça s'est retrouvé là. On va la retirer. Mais on la met où, après? Ben, on va la retourner dans le magasin. Mais on va pas reprendre une brosse de toilette pour la remettre dans le magasin. Ouais, mais on sait pas les bactéries là, on sait pas où est-ce que ça a traîné. On va la mettre dans une crédit. Par contre, il va me falloir votre pièce d'identité pour vérifier parce qu'on peut pas vendre l'alcool au moins de 25 ans. C'est plus que 25 ans. Là. Vous avez plus que 25 ans? Oui. Ben vous les faites pas. Oula, ah oui. Ah oui, d'accord. Allez-y, c'est à vous. Attention à vos orteils. Oups, excusez. Ah bah oui, là, si vous mettez la carte d'assurance maladie, ça va pas marcher. Là, par contre, en achetant des palourdes, peut-être que vous allez tomber malade, là. Oh non. Ah bah ben là... On va être en santé. Alors, la carte métro, là... Merci beaucoup, bonne journée. Oh, hop. C'est quoi ça? Bah ça, c'était sur le tapis. Mais ça c'est passé, hein, par contre. Hein. Moi, je peux pas le rembourser, là. Hein. Ah non, ça... Bah moi, c'est passé, je peux pas le rembourser. C'est pas moi, ça. Ah bah ben, c'est pas moi qui l'ai mis là. C'est protection pour la nuit. Ouais, c'est pas moi qui ai pris ça. C'est qui a pris ça? Mais c'est qui a pris ça? Je sais pas. Ben non, mais ça, il faut l'emballer dedans. Vous connaissez quelqu'un pour qui les donner? Parce que moi, je peux pas le rembourser, c'est sur la facture. Mais je comprends pas comment ça se fait que... Qui c'est qui m'a remis ça? Là, ben je sais pas qui c'est qui a mis ça. C'était là, monsieur, je sais pas. Oula! C'est quoi ça? C'est le bras. C'est bon? Oui. Ah bon? Vous mangez avec ça?
Ben non, je mange avec du riz. Mais ça, vous mangez avec quoi? Ça, c'est juste des grignotines. C'est juste des... C'est des grignotines? Oui. Pourquoi vous en prenez de moi, là? Je n'ai pas demandé d'en prendre. Ben, vous me dites que c'est bon. Allez, je vais goûter. Ben, ça goûte un peu la mer, non? Ça goûte l'océan? Non. C'est pas très bon. J'aime pas ça, moi j'aime ça. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est combien ça? Alors, ça c'est 6 et 29. C'est beau, je vais donner à quelqu'un. Mais ça n'a pas rapport avec la ville. Vous en voulez? Non, merci. Là. Non, je paye. 3 et 20. Alors voilà. Ça, puis moi je vais vous rendre, je vais vous faire un avoir, puis je vais vous l'écrire sur le papier qu'on vous doit 3 et 20 pour la prochaine fois. Vous l'avez pas? Non. Ma soeur. On est à court, c'est la crise en ce moment. Non mais c'est spécial, si. Je voulais vous remercier parce que c'était une caméra cachée et vous avez très bien fait ça. C'était pas vrai. Je voulais enlever. Bravo. Je savais. Bravo, vous avez été patient. Je savais pas que j'avais été. Non, vous avez été patient, bravo, félicitations. J'allais dire qu'il allait prendre. Oh. Ouais, bien sûr. Allô, ouais, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, super. Bah là, je suis au travail, là. Bah, mais sinon, la famille et tout, ça va bien. Ouais, c'est clair. Mais bon, écoute, c'est relax, quoi, tu vois, c'est tranquille, boulou. Sérieux, j'étais vraiment choquée hein, de la dernière fois. Hein. De Janine, là, de l'attitude qu'elle avait, sérieux, c'était un truc de ouf. Hein. Et il va falloir qu'on puisse s'organiser un truc... je sais pas, peut-être jeudi, vendredi. J'ai pas encore mon horaire là. Ça c'est sans alcool? C'est écrit dessus. Mais c'est vraiment bon? Ouais. Oh, j'ai comme le goût de le... Ah oui, c'est pas que je paye? Ben non, c'est pas moi qui le paye. C'est donc chose dans le prix. Ah ben merci. Ben non, écoute là, tu me l'enlèves de la liste. C'est pas que je paye. Ah, c'est particulier. Mais moi, une fois c'est scanné, je peux pas le reprendre. Moi, ça pique un peu par contre. Hein. T'as bu dedans, là. Écoute, je peux pas prendre ça. Non, mais j'ai pas. Il y a pas de COVID, là. Ben non, il n'y a pas de COVID, là. Non, mais ça se fait pas au Québec, ça. Ça se fait pas au Québec? Non. Ça se fait où? Ça se fait peut-être en France. Ah ouais, ça se fait en France, ok. Ça se fait pas au Québec. Ben en France, ça se fait pas trop, mais moi, j'avais envie de le faire. Ben garde-le, puis enlève-le de la liste. Ben moi, par contre, une fois que c'est passé, je peux pas l'enlever. Mais bref, ils vont probablement me l'organiser bientôt, tu sais, et voilà. Non, zéro. Mais je sais pas, je comprends pas. Salut. Je prends juste ça. Ouais, mais parce que je suis au téléphone. Ok. Ouais. Donc ça va faire 214,60 $. Hey, c'est spécial. Ça, c'est assez pour que je revienne ici. Je vous redonne? Non, garde-le. Ok. Attends, on me dérange. Oui, tu veux ça? Ouais. C'est genre du Coca Zéro? Ouais. Attends, là, sérieux, il y a des gens qui prennent du Coca Zéro. Ok. Mais sérieux, genre, tu sais, je comprends zéro, quoi. Ouais, mais la soirée, c'était la soirée de l'année. Puis, tu sais. Mais attends, je vais faire. Attends, il faut que je te laisse, il faut que je fasse une story Insta. Ah, pardon? Ouais, mais il faut juste que je fasse une story sur Instagram, puis après, je vais pouvoir passer ça. Donc là. T'aurais dû me dire non, je suis pas. Ah non, mais attendez, je vais juste faire une story sur Insta. Hop. Ouais, ok. Puis là, est-ce que vous pouvez me prendre juste en photo? Non. Là, parce que c'est mon premier jour, puis il faut juste appuyer là. C'est bon? Ah ouais, c'est cool! Ah non, ça c'est génial, hein, sérieux. Je vais faire juste un petit live sur Instagram, ce sera pas long. Je vais mettre la caméra là, ok? Salut! Donc là, je passe des pommes. Ah là, c'est 8 $ de pommes. D'accord. Vous voulez un sac? Oui. Alors, quel genre de sac? Parce que moi, j'en ai plusieurs, puis tout est payant ici. Des plastiques, là. Alors, j'ai soit le carton. Le plastique. Comme ça? Oui. Ça coûte un peu cher, par contre, les dates, non? C'est 7 $. C'est pas grave. Pas grave? Vous gagnez bien votre vie, quand même? Oui. Ouais? Mais genre, vous gagnez combien, à peu près? À peu près. Bien, ouais. Puis, à la maison, c'est vous qui cuisinez? Oui. Vous êtes mariée ou? Non. Vous avez des enfants? Arrête de me poser des questions, là. Ah. Je suis fatiguée, là. C'était pas important de me passer tantôt comme ça. Ah, là, je vous ai passé? De vous passer quoi? M'a fait poireauter ici. Là. Ah non, j'étais au téléphone. Ah non, mais je reçois des appels, il faut que je les prenne. Ah, la photo que vous avez prise, elle est trop belle. Hein?
tant mieux. Merci. Gardez bien ça, puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, toi aussi. Puis félicitations parce que c'était une caméra cachée. Bravo de votre patience. Bravo, bravo. Ça a été une expérience incroyable. Les gens sont tellement bienveillants et sont tellement... Ils ont été hyper patients parce que j'ai été complètement à la ramasse. Et surtout, moi, j'ai été agréablement surprise parce que c'était un métier que je voulais tester depuis toute petite et que je voulais faire. Et j'ai adoré pouvoir travailler à la caisse dans un supermarché et surtout chez Métro Ferland. C'est vraiment au top du top. Alors merci beaucoup à toute l'équipe de nous avoir accueillis. Et vous, surtout, si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi juste en dessous, likez. Les amis, abonnez-vous juste là et juste ici, vous trouverez ma dernière vidéo. Moi, je vous dis à très vite. Ciao!